Ou bien, vous pouvez dire une réserve que vous pouvez faire, par exemple, comment vous faites là, vous faites 6 milliards de la banque. OK? Ce n'est pas le premier coup de divan qui gagne. Ou dire, ben, c'est la fin du monde. Ou les demandes, ça va de l'entreprise en difficulté. Là, j'ai une bizaine, une réserve quelque part. Vous connaissez ça? Ou bien j'ai une fini tout. Ben, that's the question. Ce qui nous bizarre connaît, c'est, par exemple, Habib, il y a plusieurs raisons qui font une entreprise capable d'avoir un problème. Première raison, ben, le boss là prend trop beaucoup de casse. Mmh. Okay? L'auto, hein? Tout ça, la qualité, paix, etc. Tout. Mmh. Okay? Voyage, okay. Deuxième, congé, vacances. À la Ila. Mmh. Deuxième raison, dividende trop faux. Donc, ben, gros actionnaire, il gagne gros dividende. Oui, après, vous connaissez les compagnies de VAS. En place où petit dit, arrive à un certain moment donné, vous commencez à dire 100 avec VAS là. Mais qui peut arriver VAS là? Donc, ce qui. Ça a des raisons. Mm-hmm. Troisième raison, permettez-moi, c'est peut-être au produit pas assez compétitif. Mm-hmm. OK? Peut-être au pas de sens au produit assez vite pour qu'il reste compétitif. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs raisons. Donc, moi, ce qui me dit, à place qu'il nous fait une affaire opaque, quand c'est du réchauffé, quand c'est un pèse, tu peux faire des affaires qui tout le monde profite. Par exemple. Par exemple, get pris l'essence. Mm-hmm. OK? Qui fait nous besoin payer l'essence un prix aussi fort qu'il nous payait pendant tout ça les temps là. Que par exemple, vous connaissez, pour continuer, pour gagner, comment dire, un minimum perte d'emploi, year in, year out, ou besoin reste compétitif le plus possible tout le temps. Mm-hmm. OK? Vous donnez un petit exemple. De 2005 à 2008, prix l'essence, il saute $50, il vient $150 le baril. Mm-hmm. OK? Comme un gouvernement responsable qui entreprend un gros projet infrastructurel, ce qu'il utilise à faire, il utilise à maintenir une compétitivité du pays, il baisse sa TVA 15% le pétrole qu'il fallait faire un quantum fixe. Mm-hmm. Il dit, c'est pas bon, parce que je prends 15% là au $100, je prends $10, parce qu'avec $10, STC balance ce livre, et nous restons compétitifs. Mm-hmm. On peut comprendre, l'autre affaire, par exemple, c'est une affaire qui, c'est aussi une solution qui nous pose un problème, dont une solution pour un paquet d'affaires, congestion routière. Ça qui fait nous perdre, bon, pas connaître, 7, 8 milliards ou plus. Non, nous retournons, yes. Nous retournons l'eau, et qui tu besoin, donc, ou dire. Non, mais ça, congestion routière, Habib. Nous pouvons l'eau, là, derrière. Non, non, mais moi, ma question, c'est qui, yes. Allô, si pas de casse, mais qui besoin faire, allô? On dirait bien, oui, baisse prix électrique. Ou baisse prix, l'essence. Parce que vous connaissez, une gold prix l'essence super élevée pendant longtemps. Donc, ça y entame aux compétitivités. D'accord. Ouais, après, vous connaissez pendant trois ans, il y a une petite affaire et prix courant. Mmh. Électricité, mais ça aussi ou prix courant à cause d'un contrat, bon, Dieu connaît l'histoire, nous payons courant plus, c'est ce que nous sommes payés. Mmh. Mais ça aussi, en termes de compétitivité. Ça vient, ça aussi fait nos coûts de production plus élevés. Mais oui, c'est l'autre affaire, il y a une congestion routière. Si vous êtes un employé, à place de prendre 30 minutes pour vous devenir travail, je prends une heure de temps 15 minutes. Mmh. Donc, il est à vous de côté. Mmh. Donc, il est à vous de saute côté depuis l'autre. Donc, il y a un problème là, tu viens résoudre. Mais tout ça là, vous faites une chose. Vous connaissez, pour nous, compétitivité, c'est comme on dit une chose ça. Comment on peut dire, the god of small things. Vous avez fait un tas de petites affaires qui ajoutent. Bon, l'essence, c'est pas une petite affaire. Prix courant, c'est pas une affaire. Congestion routière, c'est pas une affaire. Donc, après, il y a une autre affaire aussi. Par exemple. Non, d'accord. Qui ban l'entreprise en difficulté et n'a risque de mettre travailler à des hauts, ferme l'entreprise. Oui. Qui vous a fait une entrée, ça? Dans la congestion routière, il vous prend nous les temps pour nous résoudre. Non, mais si on doublie pendant 5 ans. Oui, mais là, après non, mais crise, problème, qui vous a fait problème tout le temps, dire là. Oui, mais parce qu'il y a plein de crises. Une série de là, qui arrive, faire 5 ans. OK? Chaque fois, on peut dire non, mais là, c'est. Vous connaissez une dormie pendant 5 ans. Après, on dit là qu'il bouffait, mais nous, tout le temps, dans le court terme. Quand on rentre dans les longs termes, le long terme finit par rattraper nous. Mm-hmm. Par exemple, c'est, moi, vous dire où? En 2002 à 2005, il y a 25 000 jobs perdus dans le textile. Mm-hmm. Habib, ou quasiment, parti pour faire non, rien pour stop ça. OK? Qui fait? Et dans un changement dans structure industrielle qui est arrivé, par exemple, étant la Chine, type répond Hong Kong.
Bah non, quand Edwin Morris, une des bonnes raisons, c'était, c'est pas connu que tu peux arriver en 99, là, tu peux en handing over. Mm-hmm. Ok. Après, l'abolition, multi-fiber agreement, mm-hmm. etc., bah, là, ils trouvaient qu'il vaut mieux tout à là-bas. Mm-hmm. Donc, beaucoup, ça, maintenant, quand il y a une alpha vague. Mm-hmm. Ok. En fait, dès l'année, nous perdit 2002 à 2004, nous perdit 20 000 emplois, l'eau 25 000. Et c'est en 2004 qu'il multiplie en 2005. Pourquoi 2004? Mais connaissez ça, nous avons fait là, ben, notre entreprise là, ce n'est pas arrivé, comme à dire, 2005 minuit, ça. Mm-hmm. Je te finis, comment se prend cette disposition? Oui, je commence un planning. Tu as dit là. Ben là, pas là, là. Je ne dis que ça. Dans 2005, nous n'en sommes pour casser. Mais nous finissons là-bas une fois. Mm. Okay? Donc, il y a une affaire qui appelle ce Zabib, comment dire, ou un cycle d'un produit. Je vais donner l'exemple, ça pour faire du monde comprendre bien. Vous connaissez longtemps, là, où tu peux mettre une fourchette ou un couteau. Tu as un nom secret, là. Vous vous rappelez qui est un nom secret, là, mais tu as 35 ans, etc. Non, je me rappelle. Sheffield, oui. Vous vous rappelez? Sorti l'Angleterre. Vous vous rappelez? Mm. Donc, moi, par exemple, mon parent, mon tonton, et moi, si, comme on dit, dans finition, moi, commence peut-être à prendre ses vies couillées avec fourchette. Et combien faut cet écouteau, dépendamment qui demande, c'est. Mm-hmm. Tiens, non, chef, il l'a, là, ou qui a eu, ou qui a eu, pose question, c'est pas des histoires. Après, qui est arrivé, ça a été made in Japan. Tout à fait, made in Japan. OK? Après, qui est arrivé, ça a été made in Taiwan. Mm-hmm. Après, un certain temps, il est made in China. Là, il est pour made in China. Pendant un temps, parce qu'il nous paye des affaires et plus belle poule. Donc, nous devons faire les prévoir tout ça là. Oui, tout à fait. Prévoir que ça. Nous pensons, nous prévoir le contrôle des naissances. Si, dis bon qui prend une décision pour que le contrôle des naissances, pas de faire ça. Mais Habib, nous t'y pour. D'accord. Ça aurait été le chaos. D'accord, nous faire un premier break et nous revenons avec nos invités Sandia Diagating, analyste financier, et bien sûr nous pouvons cause l'eau budget 2009 et surtout la question est-ce qu'il y a une alternative à la politique économique du gouvernement de l'Alliance sociale pilotée par le ministre des Finances, bien sûr, Rama Sitanen. Hard talk. Hard talk. Donc, retour avec nos invités, Sandia Idalatsing, nous pécose au budget 2009 et nous pécose surtout l'eau. Est-ce qu'il y en a une alternative à la politique économique qui le gouvernement actuel peut suivre depuis juillet 2005. Donc, tu es là, et Sandia Diagating, tu peux dire à nous, qui, bon, est dans l'entreprise, qui est même être responsable de ce qui est arrivé, et dans l'entreprise, pas une conne faire, autres bonnes réserves, et dans l'entreprise, pas une conne prévoir, et qu'ils ont dit, avec crise internationale, sur man des faits, ils ont gagné, trouve dans plus de difficultés et risque donc qui travaillait perdu son travail. Donc, est-ce qu'il y a dans certaines entreprises ou certains secteurs qui viennent les autres teignent par la même et pas nécessairement mettre casse pour sauver? Oui, c'est la triste réalité, Habib. Et dans l'entreprise, et ça arrive tout le temps à travers le monde, et aussi ça arrive dans nos pays aussi. Si vous guettez par exemple, comme dit mon type de travail dans, mettons, l'industrie agricole dans 40 ans, l'industrie agricole surtout. Hein. Mm-hmm. L'industrie agricole, presque personne ne travaille là-dedans. Mm-hmm. Allez, vous pouvez connaître l'industrie agricole, vous pouvez poser une petite question. OK? Le ministre des Finances, à un certain moment donné, il s'est dit, il peut donner un subsidized loan à l'industrie agricole parce qu'il peut avoir un problème. OK? Après, pas connaître qu'il arrive li, dans sa so philosophie ou comment il fait son calcul, il décide pour donner un cadeau 5 milliards à l'industrie sécurière. Vous posez une simple question, ou deux, peut-être, ou bien comme un PNQ des parties. Mm. Première partie, c'est, dis-moi un petit coup, comme il dit, il sauve 5 milliards. Mais ça, 5 milliards-là, il servit pour faire VRS. Pas en partie. Mais ça, pas tu obligé de servir ça pour faire VRS. En passant, VRS, ça m'a employé là pour bien revenir dans ce. D'accord. Donc, ou les diamants, une partie de l'industrie, une partie de l'entreprise, si besoin, les autres teignent. Oui, une partie pour teigner. Non, mais une partie pour teigner, il y a des samodiaux, par exemple.